Amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation petit-déj. Aujourd'hui au petit-déj, je me suis préparé un plateau de charcuterie. Alors on a des petites tomates, des chorizo et du fromage Saint-Nectaire je crois, ouais c'est du Saint-Nectaire. J'avais du morbier aussi mais j'ai choisi le Saint-Nectaire. Et je suis dégoûté parce que j'ai fait tomber du chorizo sur mon bureau et c'est tout gras, je vais devoir tout nettoyer après. Bref, j'ai super faim, c'est mon petit-déj, il est 10h30, c'est parti. Super bon, les petites tomates, le petit chorizo, artisanal avec boyau naturel sans nitrite évidemment. C'est le plus doux qui existe. C'est genre, il est très, il est pas piquant en fait. Il est peut-être un peu trop doux pour moi. On voit pas très bien malheureusement, la lumière elle est pas ouf. Il est très très bon. Mais prochaine fois je prendrai celui qui est juste au-dessus, au niveau piquant. Le Saint-Nectaire. Vous savez ce qui manque dans mon plateau? Il manque des groseilles. C'est super bon. La charcuterie, le fromage avec les fruits rouges, j'adore. Genre là, si j'avais des petites groseilles avec le fromage et tout, c'est trop bon. Par contre, je me rends compte qu'en fait, le fil du chargeur il passe entre mes jambes, donc j'espère que je vais pas trop faire bouger le téléphone. Cerise avec zéro goût de tomate. C'est ouf parce que quand j'étais jeune, quand j'avais entre 5 et 10 ans et que j'allais au lit, cerise d'aujourd'hui, premier prix, donc celle-ci, c'est vraiment du plastique, ça a zéro goût. Après, c'est frais, c'est agréable, il y a la texture, elles sont belles, voilà. Mais c'est vrai que si on parle juste du goût, elles sont presque pas de goût, quoi. Après, voilà, ça permet de produire des tomates tout au long de l'année, ça permet d'en produire plus. Je crois que ça, c'est même pas dans de la terre que ça pousse. On est trop nombreux aujourd'hui sur Terre, il faut se partager toutes les ressources. C'est stylé quand même. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le goût des aliments, ce n'est pas juste pour le plaisir. Le goût des aliments est souvent lié à ce dont notre corps a besoin. C'est comme ça que l'homme a évolué petit à petit. Plus en fait les êtres humains qui aimaient ce dont ils avaient besoin, bah, en fait plus ils vivaient.
C'est parce que pendant très longtemps, on avait besoin de stocker du gras. Donc c'est pour ça que notre palais apprécie tout ce qui est gras. Et ça prouve bien que notre cerveau n'évolue pas aussi vite que notre société. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société très récente, le gras est un problème pour nous. Mais ça, notre cerveau ne l'a pas encore compris. C'est pour ça qu'on apprécie encore autant le gras. Ça fait écho d'ailleurs à la vidéo philosophique que je vous faisais. Si certains sont intéressés, je vous fais des vidéos philosophie. Et je vous expliquais que les goûts que l'on a et les comportements que l'on a ne sont pas des constructions sociales, comme l'idéologie du moment veut nous le faire croire, mais qu'au contraire, les goûts que l'on a aujourd'hui et les choix que l'on fait sont très souvent liés à l'évolution de l'être humain et sa biologie en fait qui lui est intérieure. Enfin bref. C'est pas une vidéo philosophie, c'est une vidéo dégustation. C'est plus à manger, je suis triste. Le fait que je vous ai parlé un petit peu philosophie, ça m'a fait penser, il faut que je vous fasse une vidéo sur, et le titre ce sera Je suis un connard. Ça va être drôle, ça va être drôle. J'ai une idée comment vous amener ça. Ouais. Prochaine vidéo ASMR philosophie, c'est Je suis un connard. Enfin, ça va arriver prochainement quoi. Voilà. Je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo philo. Dormez bien, faites de beaux rêves. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Demain 21h. Et je vais attendre un petit peu parce que...